Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de mes très chers amis Lion, signe ascendant, signe lunaire et signe solaire pour le mois de juillet. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Comme toujours, vous n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre de votre vie et que vous êtes responsable de votre vie. Je tiens absolument à vous remercier du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment, ça me touche au plus profond de mon cœur. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu et à me mettre comment ça se traduit pour vous dans la matière, si le cœur vous en dit. Alors, nous allons voir, comme d'habitude, le message général avec le tarot de Marseille. Donc, nous avons l'amoureux à l'envers, la transformation, l'impératrice, le jugement à l'envers, la route fortune à l'envers et tempérance à l'envers. Ok. Ensuite, on va voir comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa. Donc, au niveau des libérations énergétiques, nous avons la dispersion d'énergie, l'harmonie et la dépendance affective et les cristaux en carte conseil. Au niveau professionnel, tu as pris du retard, le succès, l'abondance, la superficialité et le changement de voie. La rupture au niveau sentimental, rupture, tu n'es pas prêt, blocage matériel et financier et nouvelle rencontre proche. Ok, allez, et j'ai rajouté comme le mois dernier un message du Titania pour ajouter un message sur le mois de juillet. Voilà, on y va, on commence avec le murmure de nos anges. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Ouh, c'est beau ça comme message. Vous le méritez mes amis Lion. Allez, on y va, on va commencer, on va se plonger dedans. Alors, d'où vous venez, soit sur la fin sur le mois de juin ou bien peut-être un petit peu plus tôt, des énergies d'une situation, en tous les cas, qui a des conséquences encore aujourd'hui. Alors, nous avons la transformation. Donc, suite à... dans une situation... peu importe que ce soit intérieur, que ce soit professionnel, sentimental, je ressens ici que vous avez eu à faire vraiment une profonde transformation et elle n'a pas été des moindres. Et j'ai le sentiment que c'est un petit peu plus intérieur. Maintenant, on va voir, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Donc là, on est sur une transformation profonde. Vous saviez qu'il y avait... je pense que vous y avez travaillé pendant un bon moment, d'ailleurs, à cette transformation. Elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Elle a mis du temps. Vous avez compris au fur et à mesure du temps ce que vous aviez à laisser et ce qui n'était plus bon pour vous, que ce soit des schémas, des manières de faire, des gens, des énergies que vous entreteniez dans votre vie, etc., etc., des manières de faire, peu importe. Je pense que vous avez travaillé dur dessus et que cette transformation, vous n'y êtes pas arrivé sans peine, d'accord, et vous avez coupé, et ça toutes mes félicitations, parce que je pense que vous avez coupé avec des choses qui ont, ça vous a mis dans des situations d'inconfort. Clairement, vous êtes sorti de votre zone de confort à ce moment là et ça a vraiment pas dû être facile, mais ici il y a vraiment une renaissance à vous même une ouais, à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez changé. Clairement, il y a un changement intérieur vraiment hyper important. Et ça a pu arriver avec, pour moi, je ressens plein d'événements mis bout à bout qui vous ont poussé à faire cette transformation que vous saviez, que vous aviez envie de faire à l'intérieur de vous, mais qu'il fallait pas mal d'événements et c'est pour ça qu'il y a eu du temps. C'est pas que ça a été difficile, mais ça a été long. Voilà, c'est ça. Ça a été long parce qu'il vous a fallu du temps pour comprendre, pour relier les points, pour mettre tout bout à bout pour y arriver. D'accord ? Bon, c'est très beau, hein, mes amis Lion. Franchement, félicitations, parce que je ressens vraiment ici que c'est intérieurement, c'est superbe. Et j'insiste sur le intérieurement parce que j'ai les messages qui me viennent au fur et à mesure. Donc, je vous explique, j'arrive. Dans votre état d'esprit, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est le fait que dans votre état d'esprit, vous planifiez des choses. Vous regardez vers le futur, vous avez bien compris cette transformation que vous savez bénéfique pour vous, que vous savez aujourd'hui qu'il est important de transformer, de vraiment incarner, d'accord, de vraiment y mettre toute cette énergie et ne pas avoir peur que votre environnement et les situations en fait vivent cette transformation avec vous, que vous les fassiez,
que ça reflète en fait votre intérieur. Et aujourd'hui, ça, c'est votre état d'esprit. C'est ce que vous avez envie, c'est ce que vous planifiez. C'est en même temps, l'impératrice, elle est dans la gestation. Donc, elle est en train de prendre son temps à planifier comment elle va faire, comment elle va mettre les choses en place, comment elle va se positionner. Les autres également, c'est une carte de bienveillance. L'impératrice, elle aime prendre soin des autres, elle aime prendre soin de soi aussi, hein. Elle se protège, d'accord? Lorsqu'elle planifie quelque chose, elle essaie de mettre tous les pans de sa vie, tous les éléments, toutes les personnes qui ont à faire dans cette histoire ou qui ont à interagir, elle essaie que pour tout le monde, ça aille bien. Voilà, dans l'idée. Hein, c'est vraiment une planification comme ça d'ensemble. D'accord? Et pourquoi je vous disais que dans votre que c'était intérieur, mais que pour l'instant, vous êtes en planification et que vous avez du mal à le mettre dans la matière, à vraiment l'incarner, parce qu'ici, vous avez le jugement à l'envers. Ce qui veut dire ici que l'univers veut vous aider aujourd'hui. L'univers, la vie, Dieu, peu importe. Hein, veut vous proposer des situations, je pense que vous avez beaucoup de choses qui vous disent que, en gros, ce que vous avez fait, la transformation que vous avez fait, ce que vous êtes en train de planifier, ça veut vous montrer que oui, c'est le bon chemin, c'était la bonne manière de faire, c'est de la récompense en fait. Clairement, l'univers ici, je vois le message que vous met plein de choses mis bout à bout, d'accord, plein de petits éléments et des gros aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui arrivent dans votre environnement. Ici, on est sur la carte de l'énergie que vous insufflez vers l'extérieur dans le monde matériel, donc que ce soit les situations professionnelles, en fonction de comment ça résonne avec vous, hein, personnel, ce qui vous arrive dans la vie, sentimental, etc., etc. Et c'est le miroir aussi de ce que vous renvoie la vie par rapport à vous. D'accord? C'est les énergies que vous mettez dans la vie et ce qu'elles vous renvoient. Vraiment dans le matériel. Dans la matière, pardon. C'est pas le matériel, c'est la matière. Et ici, je pense que l'univers veut vraiment vous mettre plein de choses, vous met plein de choses devant vous pour vous dire ce que tu as fait intérieurement là, c'est un beau travail. Bravo à toi, Amilion. Et clairement, je te mets des choses pour que tu puisses les incarner, les transformer dans la matière. Sauf que vous faites un blocage ici. J'ai ce sentiment que vous n'arrivez pas à l'incarner complètement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, pour vous, c'est clair. Spirituellement, alignement, au niveau de votre tête et tout ça, vous avez bien compris. Mais vous restez au stade de planification, vous n'arrivez pas à le transformer. Vous savez qu'en ayant changé, forcément, les choses vont changer à l'extérieur de vous. Les situations vont évoluer, les gens vont évoluer. Et j'ai l'impression que vous avez peur de faire c'est un peu cette sortie du placard, vous voyez, dans l'idée. C'est-à-dire, oui, maintenant, je suis une nouvelle personne et maintenant, c'est comme ça. Maintenant, j'ai changé sur ça, sur tel ou tel sujet. Et oui, j'ai laissé des choses que je ne veux plus dans ma vie. Je ne veux plus agir comme ça, je ne veux plus réagir comme ça, etc., etc. Et en fait, ce n'est pas une question de le dire, mais c'est de le faire, de l'incarner. Et là, à l'heure actuelle, vous faites un blocage au niveau... J'ai l'impression, je ressens, en fait, c'est ce que je vois plutôt là pour le coup, une sorte de stagnation, c'est-à-dire que vous bloquez. Vous savez qu'il n'y a pas de possibilité de retour en arrière, mais vous n'arrivez pas à aller. C'est comme si vous étiez dans une pièce, il y avait la porte de derrière où vous venez, qui était encore entrebâillée, mais vous savez que vous ne pouvez pas y retourner. Vous êtes au milieu de la pièce et vous savez que vous ne pouvez pas retourner derrière. Et vous voyez la porte devant qui est ouverte où il faut y aller et vous n'arrivez pas à avancer. Et en fait, cette porte ouverte, elle vous montre, imaginez que la porte est ouverte et qu'il y a des films qui passent devant avec des possibilités. Et là, vous voyez toutes ces possibilités et vous vous dites, il faut que j'y aille. Je sais qu'il faut que j'y aille, mais j'y arrive pas pour l'instant. Parce que je n'arrive pas à me dire que maintenant, il va falloir que j'agisse comme ça et que je fasse comme ça. Mes amis Lyon, le message que j'ai ici, là, c'est de vous faire confiance. De vous faire confiance. Vraiment, c'est ce que je ressens là. Faites-vous confiance. Si vous en êtes arrivé là, ce n'est pas par hasard. Vous pouvez l'incarner. Vous avez l'impression, je ressens que vous avez l'impression que vous avez une montagne devant vous et que ça va vous demander un effort considérable. Parce que pour l'instant, c'est à l'intérieur. Vous ne l'avez pas encore expérimenté. Et en fait, vous avez l'impression que c'est que sous forme de pensée ou de choses abstraites. Mais en faisant le premier pas, je vous promets, je vous garantis, mes amis Lyon, là, pour le coup, que en fait, ça va être... tellement simple parce que ça va être tellement vous, tellement pour vous. Ce que l'univers veut vous mettre sur votre vie, sur votre route là, ce sont des choses qui vous correspondent totalement. Soyez certains et certaines, pardon.
par rapport à cette transformation. Pour vous, ça vous paraît des choses qui sont complètement inconnues parce que forcément, vous ne l'avez pas encore expérimenté, c'est à l'intérieur de vous, mais sachez que vous avez toutes les capacités pour le faire aujourd'hui. Avec ce que vous avez là, l'état d'esprit dans lequel vous êtes et comment, en plus, vous avez tout bordé avec l'impératrice, vous avez planifié, n'ayez crainte, vraiment. Vous pouvez le faire et vos anges vous l'ont dit, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Acceptez de recevoir ce qui est pour vous aujourd'hui beaucoup plus juste par rapport à ce que vous êtes et à la hauteur du travail que vous avez fourni. Parce que là, il y a un sacré boulot derrière sur soi hein, quand même. Hein. Bravo mes amis lions. Hein. Parce qu'ici, ce que l'univers veut vous dire en termes de conseils, c'est d'arrêter de prendre votre temps. Ici, avec Tempérance à l'envers, on vous dit d'arrêter de faire dans la diplomatie avec les autres, avec vous-même. Je ne ressens pas de situation dans laquelle il va y avoir du forcing à faire des conflits. C'est juste avec vous-même ici. Arrêtez de vous dire « j'ai besoin de temps encore, non, je ne suis pas prête, ou je ne suis pas prêt, etc. etc. » etc. Non, là, ici, l'univers vous dit « vas-y ». Vas-y ma chérie, il n'y a pas de souci. L'idée, elle est là, d'accord? Donc, n'ayez pas peur d'y aller, de foncer, d'avancer, d'accord? Ici, vous pouvez y aller. L'univers est avec vous. Les situations qui vous sont présentées sont pour vous favorables par rapport à cette transformation. Ils sont beaucoup plus alignés et en adéquation avec ce que vous devenez. Je dis devenez parce que pour l'instant, c'est intérieur et c'est déjà le point de départ le plus important. Et ce que vous allez pouvoir incarner aujourd'hui, il va falloir faire cette renaissance et l'accepter. Là, il n'y a plus qu'à la montrer au monde, à rayonner, à shiner, mes amis lions. D'accord? Et ici, sans plus attendre, l'univers vous dit go, on y va, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que l'univers ici veut vous faire comprendre que ce n'est pas en ne vous positionnant pas, en ne vous choisissant pas, que les choses vont avancer. Au contraire. Vous risquez de passer à côté de certaines choses. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'univers ici, avec l'amour à l'envers, clairement, il vous dit ici que cette situation-là, qui vous pousse comme ça, qu'elle vous met dans cette situation, c'est vraiment pour que vous vous choisissiez, pour que vous vous positionniez et que vous choisissiez, vous, votre vie, où vous voulez aller et comment vous voulez aller. Les situations arrivent à vous, après c'est à vous de les transformer. Et ici, on vous demande de vous positionner. Et rapidement. D'y aller, c'est pas de se positionner dans la précipitation, c'est d'avancer, de ne pas avoir peur d'avancer. Parce que l'impératrice, elle planifie, mais après, il y a l'empereur, d'accord? Et là, il faut passer au stade supérieur, il faut y aller. N'ayez pas peur de choisir, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de tout ça. Tout est expérience, mais ici, clairement, vous avez appris énormément de choses, vous vous êtes transformé, donc n'ayez pas peur, d'accord? Parce qu'ici, on vous dit que si vous restez dans ces énergies de ne pas vouloir faire cette renaissance au monde, de rayonner et de vous positionner pour vous, le monde va choisir pour vous. Les choses vont choisir pour vous. Et j'ai un peu peur que toute cette énergie que vous avez eu tant de mal à obtenir, parce que j'ai vraiment le sentiment que ça a été long, ça a été un travail de longue haleine, ça a été un travail très intérieur, d'accord ? On vous dit que si vous ne saisissez pas la roue, donc les événements ici, c'est la roue de fortune, donc c'est des éléments karmiques, ce sont des situations. Si vous ne les saisissez pas et si vous ne faites pas cette renaissance, vous allez repartir comme avant, c'est-à-dire que vous allez plus subir les flots de la vie. Ici, on vous dit que vous avez la possibilité, en vous positionnant, en avançant, de justement faire tourner cette roue et prendre cette situation et être acteur des situations qui arrivent dans votre vie pour les transformer comme vous le décidez par rapport à ce que vous voulez maintenant, ce que vous incarnez maintenant. Mais pour ça, il faut l'incarner, il faut le vivre, il faut ne pas avoir peur de le montrer. Parce que du coup, ça va être des événements qui vont être beaucoup plus favorables pour vous aujourd'hui et qui vont vous correspondre beaucoup plus en disant oui ou en disant non. Avec une telle incarnation d'un changement, vous allez avoir une direction beaucoup plus claire. Et du coup, vous allez pouvoir transformer les choses comme vous le souhaitez aujourd'hui avec votre vision. L'impératrice, elle est visionnaire, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, vraiment, d'accord? Parce qu'ici, vous risquez du coup, en ne vous positionnant pas, que les événements autour se positionnent parce que la vie, elle continue. Et quand on reste un peu le cul entre deux chaises, des fois, il y a quelqu'un qui vient et qui prend une des chaises. Et on a une des fesses à moitié dans le vide. Vous voyez un peu dans l'idée?
Donc ici, n'ayez pas peur, vraiment, c'est le conseil, c'est allez-y. Allez-y, incarnez ce que vous êtes, incarnez, n'ayez pas peur. Vous êtes la même personne, on est bien d'accord, avec une évolution, avec de l'expérience qui avance. N'ayez pas peur de le montrer au monde. Vous êtes vous, vous êtes une belle personne, d'accord? Et voilà, ne laissez pas les gens décider pour vous. Décidez, n'ayez pas peur. Vraiment, mes amis lions. Voilà le message général. On y va pour, hop, le tarot de Titania. Alors, nous avons le cœur, l'arbre, le livre et la route. Ok. Bon, ici, on nous indique que le message est plutôt sentimental, hein, plutôt relationnel, avec des énergies, des énergies d'amour quand même, ou tout du moins relationnel. Après, l'amour, ça peut être aussi avec des amis, hein, donc ou avec la famille. Donc bon, ici, on vous dit que vous êtes sur un nouveau départ, que forcément, il y a des parts d'inconnu, il y a des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Et je pense ici, je ressens que c'est par rapport à vous-même. Encore une fois, on est sur des choses que vous-même, vous ne savez pas parce que vous êtes encore dans ces énergies d'impératrice où vous planifiez, mais vous ne savez pas comment ça va être transformé parce que vous avez du mal en fait à prendre ce nouveau départ pour vous, par rapport à vous, à l'intérieur de vous. D'accord? Ici, on vous dit que de toute façon, vous avez la force, vous avez la vitalité, vous avez l'énergie pour y arriver. Donc, ayez confiance en vous parce que ici, on vous dit que clairement, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et n'ayez pas peur d'aller creuser, d'aller chercher ce qui pour vous, vous semble inconnu. En fait, je pense que le fait de ne pas vouloir incarner ça et de ne pas vouloir aller vous jeter dans le monde, entre guillemets, c'est parce que vous avez peur de ce qui va se passer. Vous avez peur parce que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et avec l'impératrice, forcément, on planifie, mais on ne peut pas tout contrôler. Et là, je pense qu'il y a un petit besoin de contrôle à lâcher prise. En vous positionnant, en vous disant, on verra bien. Moi, je pense que c'est ça, je ressens ça, on y va sur ça. Vous voyez l'idée? Donc, n'ayez pas peur de ça, dans l'ouverture à l'inconnu, voilà. Et également, la chose complémentaire que j'ai, c'est que ici, grâce à une histoire d'amour ou une histoire peut-être une amitié, mais en tous les cas, des énergies d'amour. Ici, vous avez un épanouissement et c'est sur ça que vous pouvez vous appuyer. N'ayez pas peur si autour de vous, il y a une relation qui vous fait vous ressentir appuyé, aidé, aimé et soutenu. Eh bien, appuyez-vous dessus parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ et avancer. Et derrière, vous allez obtenir une sagesse de tout ça. Vraiment, il va y avoir une sagesse de cette transformation et de cette renaissance. Ça va être magnifique. Voilà, mes amis lions, pour le message complémentaire du Titania pour le mois de juillet. Hop. Voilà. Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Alors, nous avons la dispersion d'énergie, l'harmonie et la dépendance affective. Ouh, pardon, ma chatoune. Pardon. Alors, ici, bon... Déjà, pour moi, c'est des éléments, si vous êtes en train de le faire, sur fin juin, si vous êtes en train de finir cette transformation et que le mois de juillet, votre état d'esprit va être en planification, vous avez entendu ce message, clairement ici, la fin de la transformation et le fait de devoir choisir, pour moi, il y avait encore des énergies de dépendance affective. C'est le masque de l'ego, de la blessure d'abandon, d'accord? Donc, il y avait encore des dépendances affectives qui vous retenaient. Et je pense qu'ici, sur le mois de juillet, après, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais pour ne plus en parler et pour ne plus subir les situations qui vous rappellent des dépendances affectives ou qui vous ramènent à cette blessure d'abandon, il faut faire cette renaissance. N'ayez pas peur. Allez-y, brillez, shinez, incarnez ce que vous avez compris. Parce qu'ici, je pense qu'il y a un peu une dispersion d'énergie au moment en fait où vous stagnez dans la planification mais que vous n'osez pas y aller, tout simplement. Et c'est sans jugement aucun de ma part, mes amis lions, hein. On est tous à des moments donnés comme ça, dans cette fameuse pièce avec la porte derrière, la porte devant, et voilà. Sachez que c'est cette situation qui va vous apporter de l'harmonie. C'est cette situation qui va vous aider. En fait, c'est le fait d'avancer et de renaître, comme je vous disais, qui va vous apporter l'harmonie dans votre vie et qui va vraiment en fait mettre un point final à cette transformation de longue haleine. Et
clairement, vous allez retrouver l'harmonie. Ici, on vous conseille, on vous recommande d'utiliser les cristaux, si c'est quelque chose que vous utilisez pour vous aider. On vous dit que avec les cristaux, vous allez pouvoir vous aider à travailler, par exemple, en méditation, sur le lâcher-prise, sur la dépendance affective. Voilà, si vous souhaitez, en tous les cas, c'est là-dessus. Si vous souhaitez travailler sur la dépendance affective, sur la blessure d'abandon, je vous invite à aller lire ou voir des vidéos sur la blessure d'abandon, la blessure d'âme. Et ça va vous indiquer, si vous ne la connaissez pas, déjà pour la comprendre et puis ensuite de la travailler à votre manière comme vous le souhaitez. Il y a plein de solutions, hein. Évidemment thérapie, médecine holistique, la méditation par vous-même, enfin voilà. Je vous invite à aller faire vos petites recherches et à trouver la solution qui vous convient au mieux. Allez, on y va pour le professionnel, mes amis lions. Déjà, en énergie principale qui insuffle votre mois de juillet, vous avez le changement de voie. Alors, ce n'est pas forcément le changement de voie de métier ou bien d'entreprise. Hein, ça peut l'être également, bien évidemment. On ne l'exclut pas non plus, d'accord ? Mais en tous les cas, il y a quelque chose sur lequel vous avez changé votre manière d'agir. Et ça, bah, c'est la transformation, hein, clairement. Et vous planifiez d'agir différemment. Là, avec l'impératrice, vous êtes en train, vous vous dites « Ok, maintenant, je change ma manière de faire, je change ma manière, les situations dans lesquelles je me mets. En tous les cas, je change. » Parce que j'ai bien compris que dans ma situation professionnelle, il y avait des choses que j'avais à laisser, il y avait des choses que j'avais à prendre, mais maintenant, c'est cette voie-là que je choisis. Et on est là-dessus, on est sur ces énergies-là. En dessous, vous avez les opportunités qui se présentent. On vous dit que vous avez pris du retard. Bah, c'est pas étonnant parce que je pense que ça a été long. Sur le professionnel, ça a été long, mais il vous le fallait. Donc oui, merci de nous dire qu'on a pris du retard. Hein. Je dis on, mais je ne suis pas lion. Je crois que dans mon thème astral, je n'ai même pas de lion, mais voilà. C'est bien gentil de nous dire qu'on a pris du retard, mais ce qui veut dire, c'est pas un jugement de la part des cartes ni quoi. C'est pour vous dire que, en fait, ne perdez pas plus de temps. C'est encore une fois avec tempérance, n'ayez pas peur d'y aller. Là, ne perdez pas plus de temps sur ce mois de juillet parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Et en dessous du changement de voie, on avait les opportunités. Pardon ma doucette. On avait les opportunités. Donc clairement, les synchronicités ici vous attendent. L'univers vous attend ici pour mettre en route les choses. Mais pour ça, il faut vous positionner, il faut choisir. Il faut vous choisir vous. C'est pas choisir quelque chose, c'est vous choisir vous et décider de l'incarner. Parce qu'ici, on vous dit que de toute façon, vous avez le succès et l'abondance pour vous au niveau professionnel. Donc, pas d'inquiétude, mes amis lions, ça va arriver. Dès que vous aurez incarné ce changement, derrière, ça va être... ça va envoyer. Les situations là, qui vont se présenter à vous, les situations karmiques qui vont se présenter à vous, vous allez les transformer pour vous, par rapport à vous. Et ça va être un succès du tonnerre. Par contre, on vous dit ici que vous êtes un peu trop dans la superficialité. Et la superficialité n'est pas comme vous l'entendez, c'est-à-dire que dans ces situations ici, et c'est une carte importante au niveau, c'est un conseil ici que je ressens au niveau professionnel, allez voir à chaque fois en profondeur, allez vous renseigner, allez, vous aviez encore le livre tout à l'heure avec l'inconnu, c'est ça aussi. Le livre avec l'inconnu, c'est chercher un peu plus de connaissances, aller en profondeur des choses. Si vous avez des opportunités qui se présentent à vous, n'hésitez pas à aller regarder les petites lignes, par exemple si c'est des contrats ou des choses comme ça. N'hésitez pas à prendre le temps d'aller regarder les choses dans leur ensemble et non pas juste de survoler en vous disant « mais si moi ça me parle, c'est bon, j'y vais, allez, maintenant j'ai tout compris, j'y vais et je fais confiance ». Non. Allez, regardez, soyez sûr. Et ça, c'est aussi un apprentissage que vous avez fait, je pense, et que vous avez planifié aujourd'hui dans votre manière d'agir avec le monde professionnel, de vous dire « maintenant, je ne me laisserai plus avoir ». Maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Et n'ayez pas peur de le dire. C'est-à-dire que si quelqu'un vous met la pression en vous disant « ah oui, mais par contre, il faut qu'on conclue le contrat demain parce que moi, blablabli, blablabla. » Oui. Très bien, je comprends et j'entends vos contraintes de temps. Comprenez bien que c'est un contrat qui nous lie quand même pour un moment, que c'est quelque chose d'important, en tous les cas à mes yeux, c'est quelque chose d'important pour vous comme pour moi. Donc je pense que ça mérite un peu plus qu'un avavite de regard comme ça. Moi j'ai envie de prendre le temps de le regarder. Donc est-ce qu'on peut trouver une solution pour un timing un peu plus long? Parce que moi, voilà, même si le timing ne change pas, vous avez incarné le fait qu'aujourd'hui, on ne vous prend plus pour un bleu. On ne vous met plus la pression. Vous ne vous laissez plus avoir. Vous voyez l'idée?
C'est-à-dire que j'incarne ce que je suis. En soi, vous ne faites rien de particulier. Vous ne lui avez pas dit non, bah si c'est comme ça, je ne signe pas. Vous avez juste dit votre manière de penser. Maintenant, moi, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une solution? Toujours dans le win-win, bien évidemment. Hein. Mais est-ce qu'il y a une solution pour vous? Parce que comprenez bien que pour moi, c'est important. Et important, j'ai besoin de temps. Et demain, comprenez bien que je ne peux pas, du jour au lendemain, comme vous, avec vos priorités. Ben moi, effectivement, demain, j'ai mon planning qui est complet. Je ne vais pas pouvoir libérer de temps pour regarder le contrat. Je vais commencer à le regarder ce soir, évidemment, sur mon temps perso. Vous faites comme vous voulez, si vous avez envie ou pas, hein, y a pas de problème. Hein. Mais c'est dans l'idée, voilà. Je vais le regarder ce soir. Mais demain, je sais que je vais avoir la tête prise par d'autres rendez-vous qui est toute la journée. Le soir, je vais encore le regarder, mais je n'aurai pas la tête reposée. Et je sais que par contre, le surlendemain, j'ai beaucoup plus de temps et je vais pouvoir avoir le temps de poser les choses et de prendre le temps de réfléchir pour revenir vers vous. Est-ce que ça vous irait par rapport à ces contraintes-là? Est-ce que vous pensez sincèrement que à deux jours près, voilà, vous voyez l'idée? C'est-à-dire de dire vous comment vous vous positionnez, ce que vous ressentez aujourd'hui, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et vous ne voulez plus qu'on vous presse. Vous ne voulez plus qu'on vous dise « Non, mais c'est bon, c'est pas vraiment important. Hein. C'est pas très, très important. » Par exemple, imaginons un autre exemple. Votre boss vous dit « Bah écoute, il est 18h, demain à 14h, j'ai besoin de ce rapport-là, j'ai besoin que ce soit fait. » Et là, vous lui dites « Ok. » oui, mais alors demain matin, je suis en meeting toute la journée jusqu'à 13h. Je déjeune de 13 à 14h parce que sinon je vais tomber. Et là, il est 18h et en fait, j'ai mes enfants à récupérer à 19h. Alors évidemment, ça, c'est dans votre tête hein, que vous imaginez votre planning. Et là, vous regardez votre boss et vous lui dites, bah écoutez, quelle est l'urgence qui soit faite à 14h? Est-ce que vous en avez besoin pour un meeting, pour une réunion? Est-ce qu'il y a quelque chose ou c'est parce que vous aimeriez me donner une date? Vous l'apportez comme vous voulez en fonction de la, comment dire, de la confidence, de la relation que vous entretenez avec votre boss. Hein. C'est un exemple. Et voilà, et de lui dire, voilà, de prendre en considération vos contraintes à vous et de lui demander, voilà, de lui dire, voilà, en fait, je ne sais pas comment et quand je vais pouvoir le faire. S'il vous répond, bah, vous travaillez cette nuit, là, c'est votre libre arbitre de choisir, hein, je ne juge pas, il n'y a pas de problème, vous faites comme vous voulez. Et si c'est quelque chose qui pour vous est inenvisageable, bah de lui dire. Alors qu'avant, vous auriez dit oui, oui, et vous vous seriez mis la rate au courbouillon toute la nuit. Le lendemain matin, vous seriez levé à 5h du matin pour commencer votre truc, vous aurez fait votre meeting, vous n'aurez pas déjeuné et vous l'auriez fini. Est-ce que c'est ce que vous voulez encore? Est-ce que finalement, c'est vraiment important qu'il l'ait à 14h? Parlons-en. Et si c'est le cas, dites-lui, bah écoutez, j'aimerais être dégagée de la réunion de demain matin, du meeting de demain matin pour vous pouvoir le faire parce que je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Vous voyez l'idée? Elle est là, l'idée. Bravo, mes amis lions. Derrière, vous allez avoir le succès grâce à ça. C'est en vous respectant et votre énergie, votre temps, vos valeurs, vos principes, etc., que vous allez obtenir des situations qui correspondront à ce que vous voulez et qui seront alignées. Et derrière, ce sera l'abondance pour vous. Bravo mes amis lions, j'aime bien cet esprit-là, c'est beau, c'est magnifique. Avec l'énergie de l'impératrice, en plus la planification au niveau pro, j'ai pas d'inquiétude pour vous. Hein. Les choses, elles vont être cadrées, bordées quoi. Hein. On termine avec le message sentimental. Alors, nous avons dans les énergies du mois qui vous sont insufflés, vous avez la nouvelle rencontre proche. Ici, on parle d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur ou non. D'ailleurs, on peut parler ici de vous, on peut parler de l'autre personne. Et puis, dans les relations libres, peu importe. Enfin, voilà, c'est les relations, les énergies d'amour ici. D'accord? Et en dessous, on a nouvelle rencontre proche et vie en commun. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que je pense que cette transformation, si ça parlait au niveau sentimental, on est à la suite d'une rupture.
On est sur des énergies de rupture ici. Ruptures peuvent être rupture effectivement physique avec une personne, mais ça peut être aussi rupture avec un lieu de vie, avec un pays, avec un changement radical par rapport dans votre relation, par exemple, je ne sais pas moi, des changements radicaux en fait, qui changent votre vie complètement et qui vous donnent une énergie de rupture avec un avant et un après. Il y a des choses à laisser et il y a des choses à avancer avec. D'accord? Voilà. Donc, moi, c'est ici, le message que j'ai, c'est de vraiment que cette transformation, elle est suite à une rupture que vous avez vécue. Ici, on vous dit que vous ressentez, en fait, ici, c'est un ressenti dans votre tête à vous, ou alors c'est l'autre personne, hein, mais que vous ne vous sentez pas prêt à mettre en application ce que vous avez planifié. Et je sais pourquoi et je comprends en fait ce blocage parce que je le ressens. En fait, vous n'arrivez pas à vous positionner et à agir et à foncer tête baissée parce qu'ici, il y a des blocages financiers et matériels. Cette énergie-là, c'est une énergie. N'oubliez pas que les peurs, les sentiments comme ça sont des énergies. Et ici, c'est ça qui vous paralyse. Vous planifiez tout ça, mais comme vous n'arrivez pas à contrôler la partie financière puisque c'est une partie qui peut être... variable, d'accord? Ici, c'est ça qui vous bloque à avancer. C'est ça qui vous bloque à faire cette renaissance dans vos énergies d'amour ici, dans vos situations, peu importe telle qu'elle soit d'ailleurs, ou alors que c'est l'autre personne, hein, si vous ressentez que c'est l'autre personne qui vit ça, alors adaptez. Mais ici, je sens que c'est ça qui vous empêche d'avancer, où vous n'arrivez pas, vous êtes dans cette fameuse salle à ne pas vouloir aller sur l'avenir et à ne pas vous... arriver à faire le pas d'incarner cette nouveauté en fait. Comme je vous l'ai dit, les peurs et les angoisses, ça peut être bloquant, mais ça peut se débloquer. D'accord? Parce qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est que même si vous êtes bloqué par ces peurs et ces angoisses financières et matérielles, dans tous les cas, la vie, elle va continuer et elle va vous apporter des choses. Si vous ne voulez pas subir les choses, je vous invite vraiment à y mettre l'énergie d'avancer et de prendre les situations à votre avantage pour les transformer comme vous le souhaitez. N'ayez pas peur parce qu'ici, au niveau professionnel, vous aviez le succès et l'abondance. D'accord? Donc, n'ayez pas peur vraiment ou l'autre personne, d'accord? Ne vous laissez pas envahir par cette peur du succès, du blocage financier parce qu'en fait, ça bloque vos planifications, ça bloque votre vision de l'avenir et du coup, ça bloque cette transformation que vous savez bénéfique pour vous et pour votre couple si vous êtes en couple. D'accord? N'oubliez pas que dans le message ici du mois de juillet du tarot divinatoire du Titania, on vous disait qu'il y avait de la sagesse obtenue au niveau sentimental et un épanouissement en amour. Et que vous arrivez, c'est vraiment avec l'arbre, on était sur, on en vient à bout des problèmes. C'est l'arrivée de la fin des problèmes grâce avec le cœur. On est vraiment sur les énergies d'amour, ce qui veut dire que c'est ensemble, en tous les cas ensemble, soit avec l'autre personne, soit avec vous-même, que vous allez arriver à bout de ces angoisses financières qui insufflent dans votre couple ou dans votre peur de construire avec quelqu'un, par exemple, ou d'attirer quelqu'un. Ici, on vous dit que c'est grâce à ça, en fait, que vous allez pouvoir lever vos blocages et avancer et que les situations vont tourner à votre avantage ou vous allez pouvoir saisir les situations à votre avantage. N'ayez pas peur. Vos choix passés ne définissent pas qui vous êtes et où vous allez. Vous avez pu, comme tout le monde, on a déjà fait des erreurs, il n'y a pas de problème. Si c'était financier, sentimental, si c'était lié... Aujourd'hui, vous avez compris, vous vous êtes transformé. Ayez confiance en vous. Ce que vous planifiez aujourd'hui est basé sur votre expérience. Vous ne ferez pas deux fois la même erreur. Ok ? Voilà mes amis lions pour le message sentimental. On finit avec le message des portes de l'intuition. Waouh ! La loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Eh ben voilà mes amis. La loi d'attraction. Elle vaut aussi bien pour le négatif que le positif. Je vous la relis. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force.
Je ne vous en explique pas plus, pour moi c'est très clair. Et si vous voulez vous renseigner sur comment travailler sur la loi d'attraction, je vous invite à aller chercher les informations sur le net. Voilà mes très chers amis Lyon, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que vous avez eu des messages. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien, tout mon amour pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me mettre un commentaire si ça vous a parlé, enfin comment ça se traduit pour vous dans la matière. D'accord. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime.